Yo les amis, c'est JL de Edge of Snoobs et je suis avec Anketsu. Comment vas-tu Anka? Bien et toi? Ça va, je suis également, même si on ne le voit pas, il n'est pas dans le coin, il est encore allé piller pendant qu'on n'est pas là, je suis également avec Aya. Comment ça hey! Va? Alors, et là on va frapper du zombie parce que maintenant j'ai appris à frapper un zombie comme il faut. Y'a plus rien dans cette maison. Attends, le viseur a changé de côté, j'aime pas ça. T'arrives pas à la voir? Bah, ça c'est que si tu t'approches, je vais te toucher avec la hitbox pourrie qu'il y a, donc méfie-toi. Je vous vois galérer, on dirait. Voilà. Y'a un combat de rue. Mon dieu, c'est affreux! Putain, j'ai le viseur qui est changé de côté, comment je fais pour le remettre à droite? Clic droit, clic droit, mage. Reste appuyé sur le clic droit. Mage? Ouais. Ça marche pas? C'est alt, pas shift, tu alt. Voulais dire? Non, c'est alt. Merde, j'ai couru du coup. Fuite! Jamais vous m'aurez. Putain, mais j'ai pas l'habitude de l'avoir à gauche, le viseur. En fait, non, c'est alt tout court. Ça a changé. Ah, ça y est, ça va mieux. Ah, bah c'est bon, on peut se les faire. Qu'est-ce qu'une vague de zombies? Je trouvais de l'eau. On a fait poulain derrière toi. Tu sais que t'avais juste à te mettre sur la putain de voiture et te les taper au lieu de courir comme ça là. Je vois déjà le galérer, ça me fait marrer. Ça va me faire d'XP. T'approchez pas, alors oui, j'ai un marteau. C'est quelque chose de très efficace. T'es où ailleurs en fait? Je suis en train de piller les maisons que JL n'a pas pu. Ok, si tu chopes de l'eau et de la nourriture, je suis preneur. Alors l'eau, j'en ai mangé. J'ai mangé plutôt, mais il me reste de l'eau. Ah. On va tenter. Un aller-retour. Si tu manges de l'eau, c'est chaud quand même. Tendex. Ah, ça va, j'étais concentré. Reste loin toi. J'ai du chocolat. Ah, je file le chocolat. Pour attirer les enfants. Bon, j'ai tué la John Murphy là, c'est bon. Et des chips. Si tu recules encore, Jay, t'as un zombie qui va aller dans ta gueule. Voilà, recule vers là, ouais, c'est pas mal là. Ouais, voilà. Efficacité prouvée, le marteau, la meilleure arme dont vous aurez besoin. Regarde-toi. Non, rends 3 coups dans la tête, alors on va faire un test. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Voilà, on se casse de cet endroit là. Allez, j'ai aussi trouvé un Mothernberg 500 là. Pour, là, il y a Anka dans la cite de Mir. Eh, mais t'avais pas tout fouillé. On va alerter un peu de monde. Je crois que je vais garder l'arme contre les joueurs ennemis. Moi, on sera tranquille. J'ai récupéré masse d'eau là, je suis un distributeur Evian. Voilà. Alors, ouais, on va progresser tranquillement. Putain, j'ai ramassé une capsule temporelle, on va pouvoir mettre un message. Ouais, il y avait un mec qui m'a mis t'es mort. Et j'étais mort après. Ah, une barre chocolatée, nice. Elle est pas bien mon casque en cas. Barre chocolatée, nice. On va sur la capitale. Bah, pour l'instant, il me faudrait de l'eau et de la nourriture, moi. Amène-toi. Oh putain, elle m'a touché. Ah oui, le casque, c'est le casque de Hollin, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Est-ce qu'il y a des bandages? Non. Non. Faut aller à la capitale, je connais tous les lieux. T'as de l'eau et de la nourriture, Aya? Sur la main? Ouais. Voilà. Et je garde 2 bouteilles d'eau personnelles. Moi je ninja tout. Bah t'es... Tiens, je vais écrire un message ici. On va mettre... Ça. Voilà. Voilà, il y a une note qui traîne dans l'air maintenant. Je trouve de l'eau, moi. Bah, ah, t'as besoin d'eau aussi. Attends, t'es où? T'es là. Tiens, je vais t'en passer une. Vous avez fait toutes les maisons là, pour récupérer de l'eau et de la nourriture? Moi j'ai fait les quelques îles qu'il y a devant nous là. Bon alors on se dirige vers où là? À la capitale, je connais les bons lieux, okay. Les bonnes adresses. Petite pause frappe. Retour, nous avons pillé la ville. Anketsu est également blessé. Il perd tout son sang. Vas-y Anka, regarde pas ton sang, avance tout droit, t'inquiète, tu peux le faire. On a juste 20 km à parcourir, t'inquiète. Respire, t'as juste perdu la moitié de tes poumons. Je sais pas, mais je vois rien, moi, en fait. Je vois mon perso, mais normal. Non, ah, mais c'est bien de fermer les yeux. Qu'est-ce
Ouais, en fait, j'aggroupe plus de zombies au final à faire ça. Putain, mais regarde-moi ça, il met bien sur la route histoire que ça soit bien repérable derrière nous. Genre n'importe quel player killer qui voit ça. La bonne piste. Bah, avec des potes, une fois on avait pété un genre de truc. Ouais. Avec des potes, déjà on avait pris en chasse un mec, on l'avait blessé, on l'avait traqué grâce à ses taches de sang, c'était assez fun. On l'a traqué vraiment comme des gros barbares quoi. Là il y a du sang. Vous le voyez le sang? Moi je vois rien. Bah tu dois pas avoir assez d'options graphiques activées alors. Ah, attends. Je vais voir le sang. Alors on se dirige. Là on quitte la route, on fait quoi là? On va vers Campos. On continue de suivre la route. Bah, je sais pas, j'ai pas dans les options le truc du sang. Bah c'est normal, c'est pas parce que c'est pas sang, ce doit être les textures ou quelque chose qu'il faut que tu aies à un certain niveau. Ah, je crois qu'il y a un barrage droit devant. Ah ouais, d'accord, la route elle allait par là en fait. Je me suis fait chier pour rien. Alors, là on dirige. En fait, elle est où la capitale? C'est Campos City. Ah ouais, d'accord, on est pas très loin. Ouais. Et la deuxième grosse ville c'est Boulder. Boulder. Je me demande s'ils l'ont rendu intéressante depuis. Oh, il y a un putain de barrage avec plein de voitures de flics en bas. Ok, on arrive. Vous laissez taper les zombies. Ouais, mais il n'y a pas de zombies. En effet, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal du tout ce barrage. On va peut-être trouver des balles, des trucs comme ça. Oh les amis, alors on est juste dans l'agglomération pendant qu'il y a enquête, qu'il y a du crash. Je récupère. Il y a un couteau tactique là, on va le récupérer. Sac à dos plein. Ok, sac à dos plein. Il est temps de jeter la batte métallique. Il paraît que c'est de la merde. C'est quel serveur déjà? Le 20. Le 20. J'ai ramassé un casque de CRS. Ouais, je connais ça. Eh, on peut récupérer le blindé là? Ouais. J'ai pas le permis. Il y a un boni désert là. Pas intéressant. T'as fouillé les deux bagnoles qui sont là? Ouais, celle-ci je les ai faites. Ok. J'ai laissé mon masque par terre si t'intéresse. Alors là, il y a encore deux chapeaux. Rien à carrer. Là, il y a une lampe torche, on s'en fout. T'as un couteau pour moi, Aya? Ouais, j'en ai encore un. Tu le connectes? Il y a rien de spécial. Mais j'arrive là. En fait, fallait que le jeu se reboot pour la qualité graphique. En fait. Ok, on tient le barrage, GL. Bon, là, ça va, franchement, y a pire comme boulot. Tenir un barrage routier abandonné en plein soleil, tout va bien. Face à des zombies, ouais, mais là, face à des joueurs, t'es tellement ça prendre en embuscade. Ouais, t'es malade, ils regardent dans mon jumelle. Ah ouais, c'est vrai que les jumelles, faut que je me les équipe. Ah, y'a, tu flippes là, fais pas le malin, ok, fais pas le malin, moi. Bon, allez, petite pause. Allez, hop, on se dépêche, les amis, on se dépêche. Ah, attends, je vais équiper le couteau. Je pense avoir de l'équipement, je deviens lourd. Constance. Ah, mais il y a direct un deuxième barrage en fait. Ouais, attends, il y a les mouvements. Va falloir qu'on se méfie, ouais. Fais gaffe, j'ai vu un truc bouger, je sais pas si c'était un zombie ou autre chose. Derrière le camion de pompier. Bah, on va avancer doucement, hein. Enfin, je vais me mettre derrière les rochers au cas où. À travers les arbres. Je suis bien fait de garder mon endurance. Bah, faut toujours au moins garder la moitié pour pouvoir sprinter si tu te fais choper. Alors, au château d'eau, y'a rien. Putain, je suis sûr d'avoir vu un truc. T'as des jumelles, dis-moi. Ouais, mais justement, c'est derrière les camions. Je suis quasiment sûr qu'il y a eu un mouvement. C'est peut-être un pixel qui a déconné. Je progresse. Faut que je sois assez près, moi. J'ai 2 balles de fusil à pompe. Moi, j'ai 5 balles de pistolet. Donc, dans tous les cas, on doit au moins être à moyenne portée. Peut-être derrière le gros camion. Non, à mon avis, s'il y avait quelqu'un, il nous aurait déjà tiré dessus. Pas forcément, il fuit peut-être aussi. Bon, je prends mon gun et je passe sur le côté gauche. À gauche, il y a encore plein de voitures, mais c'est pas par là-bas qu'on va. Ouais. Vu qu'on s'approche de la capitale, il faut se méfier. Ça peut être un joueur, ce que j'ai vu. Là, il y a un bouclier anti-émeute, lol. Ah, c'est les... C'est les barricades. Les barricades CRS. Oh, yes! J'ai devant un truc sous le camion. Antibiotiques. Conserve de soupe. Gel, prends la conserve de soupe, ça va te soigner.
J'ai un vaccin, Je suis en sac à dos plein, moi. Ah merde, bah vise un... On enlève juste un truc et tu manges direct derrière la soupe. Mais attends, il faut enfiler Anka aussi, je pense, parce que... Ouais. Anka, t'es où? Ok, c'est toi, là, hein. Ouais. Il y a une pagaie, et il y a des mecs qui ont mis un barrage. À moins que ce soit un barrage. Non, vu comment c'est placé, ça doit être des mecs qui ont mis ça. Là, il y a une pagaie de canoë, ouais, en effet. Je cherche le truc, en fait, que tu m'as dit, la conserve de soupe, ou je sais pas quoi. Hein. Elle est là. Il y a des munitions, en fait. Il y a un vaccin. Ouais. Elle a été prise. Est-ce qui c'est? Ah, c'est encore. Une conserve de... Il y a un chargeur de munitions, là. Je peux le ramasser. Pour Kruger. Sac à dos plein. Ah, mais je vais jeter les chips. Fuck les chips. Chercher la conserve de soupe, mais je vais pas trouver. Antibiotique, ça heal ou pas? J'ai, il l'a pris. Antibiotique, ouais. Ça soigne même bien. Canette de coca, je vais la vider, parce que je m'en fous. Coca, ça redonne un tout petit peu de nourriture et de la boisson. Ouais, c'est bien. Je vais piquer le vaccin, au moins on l'aura. Ah, mais c'est bon, tu l'as déjà pris. Ouais, j'en ai deux là sur moi de vaccin. Il y a un couteau tactique dans ce véhicule. Et une lumière rouge. La lumière rouge, ça peut être pratique si commence à faire nuit ou si on veut attirer les zombies quelque part. Bon, faut que je voie comment ça marche le couteau tactique. Ouais, mais est-ce que ça les repousse comme le marteau, le couteau tactique? Ouais. Ça, c'est pas mal les antibiotiques. C'est bon? Oh, génial! Un pistolet éclairant. Bah, j'ai une lumière rouge à la limite, je sais pas si ça sert à quelque chose. Je vais jeter le marteau. N'oubliez pas de surveiller que nous, si on est là en train de fouiller, il y en a d'autres qui peuvent arriver. Ouais, non, les loots que tu lâches, il reste 10 minutes, je crois. Non, mais il y en a d'autres qui peuvent arriver, de joueurs ennemis. Kanka, vu que t'as ramassé les lumières, viens prendre ici, il y a lumière blanche, jaune, ah, de l'eau. L'eau, je ramasse. Et encore une lumière jaune. Bon, allez, on va repartir, hein. J'ai la jaune. Ça, je l'ai fait à la Walking Dead, je monte sur le camion et je regarde avec les jumeaux. Ok. Y a pas l'air d'avoir de... Donc on part sur la droite, c'est ça? Ouais, j'ai le sac à dos plein de toute façon, alors attends. Capsule temporelle, je jette. Ouais, la capsule temporelle, ça sert à que puis. C'est pas un truc, ça? Si. Oh les amis, alors on approche comme vous pouvez voir de la capitale. Rayezu vient de nous coacher, mais comme j'avais pas lancé le Frames, tu peux peut-être nous refaire le topo. Exact, on a à peu près deux issues possibles, ou plutôt deux entrées pour arriver dans cette ville, soit à la manière méga discrète où on est exposé aux zombies mais pas aux joueurs, qui consiste à passer sous la route que l'on voit en face, donc directement dans les rues de la ville, ou alors la seconde manière qu'on va appliquer, consiste à passer justement sur cette route qui nous mène directement aux centres commerciaux de la ville en passant par-dessus toutes les petites résidences, ce qui nous expose donc à des joueurs placés sur les toits mais pas aux zombies. D'accord, ok. Bon ben progressons. Je le sens très moyen, vraiment là. T'as pas un petit sprint jusqu'au pont? On aura peut-être besoin du sprint après, justement. Non, après, on pourra au moins s'allonger derrière les petites barricades. Allez, go. Jusque là, on est quand même très exposé. Je peux plus courir. Voilà, là maintenant, moi j'ai un petit mur pour me protéger si ça tire par exemple. Mais ça va tirer à gauche, mec, pas à droite. Ouais, bah alors je me mettrai au mur à gauche. Ou au pire, je fais ça, je balance. Ça nous protège pas d'un sniper, hein, malheureusement. Bah là, le sniper, le seul endroit où il peut nous tuer, c'est la colline derrière nous. La colline qu'il y aura après sur notre droite, ou les immeubles. Ok. Ça va pour et s'il tire depuis la montagne, il est quand même assez balèze. Parce qu'il y a la perte. Et le gars, il est sur les. Ils sont accessibles les immeubles qui sont là? Les deux grands là-haut? Ouais. Non. Ok, bon, bah c'est bon là. Les immeubles accessibles, déjà il y a le petit jaune qu'on voit en face. Normalement, il me semble que l'on peut monter à un certain étage. D'accord. Le rouge là-haut. Ok. Ah non, c'est pas celui-là. Tu vois quelque chose, Aya? Je sais pas, il y a beaucoup de choses à vérifier. On devrait pas forcément s'approcher du rebord, en fait. Ouais, je pense que c'est une meilleure idée. Là, par contre, regardez bien les fenêtres sur le bâtiment à droite. C'est un peu la place forte, le château fort de cette ville, ce truc. Ouais, pour l'instant, je vois rien aux fenêtres. Ouais, mais il y a souvent des mecs qui se barricadent là-dedans. Là, déjà, par la fenêtre, on peut voir une petite barricade qui a été mise devant une porte. Ok, on progresse alors.
Allez, on court là, c'est pas le moment de rester là. Ça va. Et cette autoroute, elle va nous amener où là? Bah, normalement, juste devant. Ok. Mais attends, voir. Ok, les amis, je crois qu'on est baisés là. Ça va. Si, ça peut le faire. Je prends le risque. Tu prends pas de dégâts. Y'a pas de dégâts de chute. J'ai rien pris. Ah! Et donc là, on arrive cash sur le commissariat, ce qui est déjà l'un des meilleurs postes. Vite, go commissariat, on court, on reste pas découvert, on rentre direct dans la baraque. Attention, attention, attention. Y'a une agro. Y'a pas de zombies? Ah si. Y'a une agro sur la gauche. Faut éviter de se faire agro dans la capitale parce que les joueurs ils entendent le zombie et ils regardent où est-ce qu'il court. Bon, on le tue, hein, il faut le tuer. Ah, c'est pas moi qui l'ai agro, démerdé. Voilà. T'as une lampe torche. Et attendez, attendez pour le stuff là, j'hallucine. T'appelles ça un commissariat chose, hein. Y'a rien. Ouais, y'a que dalle. Ça sent le joueur. Ouais, j'équipe l'arme lourde. On fait d'abord un tour à la pharmacie avant de visiter les lieux. Ouais. Plus important. Là, y'a un couteau tactique si vous voulez. Ouais, c'est moi qui viens de le jeter, parce que j'en ai ramassé un dans le commissariat. Ok. Voilà, on essaye, enfin, on a une barricade, on est derrière le pont. Sauf que moi j'ai un béret rouge, donc cible vivante. Là, faut se méfier, il y a beaucoup de bâtiments dans lesquels on peut rentrer avec des fenêtres. Ou se faire canarder à tout moment. Les zombies, aggro. Ouais. Là. Oh non, erreur d'hitbox. Quoi? Je me suis bouffé un coup. Bon, c'est pas grave. Je suis au niveau des épaules. Et oublie pas de t'équiper toutes les... Dès que tu vois que tu combats pas de zombies, de t'équiper à l'arme lourde. Pour non, moi j'aime bien rester en fait sans avoir l'arme à la main. Comme ça les joueurs, ils pensent que je suis pas armé. Yes! Un antibiotique. Ah, ouais. Un autre qui traîne par terre. Putain, vous avez accro à un zombie. Ça rend bien ça. Quoi? Il est où l'autre? Tu m'as dit hier? Bah, je les ai les deux sur moi. Tu peux m'enfiler un, s'il te plaît? J'ai vu que je suis au niveau des genoux là. Voilà. Jay, t'as à combien de vie toi? Je suis tu l'as lâché là? Ok. Ouais, je te l'ai passé. Ah non, je le vois pas hein. Non, mais je te l'ai passé. Regarde, ah, sympa. C'est bon. Ah, exact. Merci. Bah, alors, on va où là? Donc, maintenant, on va faire le petit magasin. Pour l'instant, je surveille. Pendant que vous attaquez le zombie, c'est bon, y'a rien. Tu voulais vérifier qu'elle était vraiment morte, c'est ça? Non, je faisais autre chose. Avec ses ragnagnas, c'est ça? Y'a Mété. Ah, d'ailleurs, on arrive près du parc à enfants. Si vous, voulez des, si vous voulez des sacs nounours, y'a moyen d'en trouver. C'est pas mal. Dans le bus, y'a des trucs des fois. Regardez bien. C'est assez rare dans le bus. Qui est des trucs intéressants en tout cas. Ok, il a pas l'air d'avoir été fouillé. Paquet de chips, on s'en tape. Oh, il y a un flingue. Coca. Ouais, oh, je vais au suivant. C'est un truc à fusil éclair. Hein, Minisense, des chapeaux. Tu veux le pistolet à fusil éclair Je crois que j'en ai déjà ramassé un. Mais garde-le, ça peut être rigolo quand tu tires sur un mec. Quelqu'un a de quoi ramasser la canette de coca? Je dois avoir assez, moi. Parce que moi, je suis plein, là. Je vais la ramasser, attends. Quoique, je peux peut-être, je viens de manger le munition. Bon. Alors, où est passé Jal? Je suis... Jal, y'a quelqu'un qui rentre dans le bâtiment? Il y a 3 personnes dans sa vie. Moi j'ai pris méga cher. Ils sont 3. J'ai mort. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est moi. Ils sont 3 encore. Moi j'ai. Putain, Ichen by zombie, vas-y, il est boule. J'ai été touché, j'ai dû me baisser et j'avais les zombies qui étaient sur moi là, putain.
Je sors, je vois des mecs qui courent vers GM.